Si toi aussi tu as les cheveux crépus, frisés, bouclés, cette vidéo est pour toi. Alors il y a quelques jours, je suis tombée sur une vidéo sur YouTube simplement d'une fille qui essayait un gel qui pourrait en fait concurrencer le Eco Styler. Et je me suis dit, il faut absolument que j'aille le tester. Donc le soir même, ce que j'ai fait, c'est une petite recherche sur Google et j'ai tapé Extreme Gel Wetline et je suis tombée sur un site qui m'a permis de l'acheter. Et du coup, je l'ai enfin, parce qu'on voit bien le logo, je crois qu'on voit bien. Je l'ai enfin trouvé et du coup, je vais le tester dans cette vidéo. Alors, Extreme Gel de la marque Wetline est un gel qui est supposé être un gel assez fort, qui va soit plaquer les cheveux, soit définir les boucles. Autre point, c'est un gel mexicain, donc il vient du Mexique. Et c'est le gel numéro 1 au Mexique. J'étais un peu surprise parce que la plupart du temps, tous les produits qu'on achète, ça vient soit des États-Unis, soit parfois du Brésil. Mais j'ai jamais testé de produits capillaires mexicains, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Apparemment, c'est un gel qui pourrait concurrencer l'Eco Styler qui devient de plus en plus cher. Celui-ci n'est pas trop cher. Donc là, j'ai 1 kg. Et pour 1 kg, j'ai payé à peu près 13 euros. Pour 250 grammes, ce sera aux alentours de 4 voire 5 euros. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Alors déjà, au niveau de l'odeur, j'aime pas du tout. Je trouve que ça sent le chimique, en fait. C'est très très chimique. C'est pas une odeur agréable, je trouve. Et en termes de consistance, c'est la consistance d'un gel classique. Ce gel est sans alcool. Il contient un filtre UV et il contient également de l'aloe vera. Alors, concernant les ingrédients, elle est différente en fait en fonction de la version de votre gel en fait. Moi j'ai la toute dernière. Du coup la composition est différente des gels avec le pot vert. Elle est meilleure dans cette version, donc avec le pot bleu. Les ingrédients sont un peu moins allergènes, mais globalement si vous êtes naturel et que vous aimez les produits totalement bio et 100% naturel, je ne pense pas que ce gel puisse vous convenir. Alors comme vous pouvez le voir, mes cheveux, depuis le début de la vidéo, c'est la catastrophe. J'ai aucun produit coiffant sur mes cheveux. Et donc on va voir ce que ça va donner. Alors là, on peut déjà voir la différence sans gel. Bon, voilà. Et avec gel. Bon, il me reste plus qu'à sécher et après, vous pouvez voir vraiment le résultat. Et comme ça, vous avez un avant-après.
Donc voilà le résultat final, je suis très très satisfaite, je trouve que c'est très très joli comme résultat. Donc j'ai pas de résidus, j'ai pas d'effet carton, je sens pas l'odeur du gel, donc tout est bénef. Alors en plus ça apporte un peu de brillance à mes cheveux et ils sont pas du tout, mais alors pas du tout alourdis. Donc ça c'est super top. Je trouve que l'Eco Styler ça a tendance à alourdir un peu les cheveux, mais là aucun souci. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un commentaire aussi et mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes autres réseaux et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Bye! Peace!